Allez, go round 2 sur le Scruffy Scallywag. Donc après une petite pause, on va enquiller, on va poursuivre la partie. Alors, quelques spins à 30. Bon, round 1, c'était bénef, bénef rebouffé, perte, rebénef. On va voir pour le round 2. Allez, go, hop, mise à 75. Alors, le round 2, est-ce qu'il va nous prendre des 3 scatters là? Parce que le round 1, c'est les jokers aléatoires, le bonus du compas. On n'a pas eu les 3 scatters. Allez, go joker aléatoire. Alors, qu'est-ce qu'il va nous filer? On balance pas qu'un. Ah, le petit rail, on a balancé qu'un. Donc du coup, ben win, pas énorme à la clé. Alors, on s'autorise une petite montante. Alors, rien ici. Alors, pas au top, version montante version 2, on va voir. Bon, bah là, jusqu'à présent, à part coûter cher, c'est tout ce que ça fait. Allez, version 3. Ah, petit bonus joker, j'espère qu'il va bien me les placer sur un spin à 105. Alors on a déjà eu ici, ah, là, hop, m'en balance pas qu'un. Allez, sois sympa. Le gros rat, il en a balancé qu'un. Alors 282 win. On va faire ça, hop. De la montante, ça c'est la version 4 si je me rappelle bien. Alors s'il me prend le troisième, malheureusement non. Allez, la montante version 5. Ça a bien tarté la balance du coup, pas de win à la clé. Alors un petit bonus compte avec le x50, ce serait pas mal non plus. Alors, remonte improvisée. Alors, pas le x2, pas le x5. Les 3 respins, c'est pas top. Ok, 20. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Ouais, c'est.
c'est quand même pas mal, 1500. J'aurais préféré le x50, mais bon. Ah, voyons voir, 112. Le numéro 3 qu'on attend depuis un moment, ben, il est toujours pas là. Troisième scatter, il est inexistant apparemment. Alors, 18-700, ça dégringole. Elle est bonus du compas. Elle a un petit 3000 balles avec le 50. Un 10 respin serait pas mal sinon. Trois respin, je pense pas que ça va rapporter lourd. Enfin, on va voir. Respin à rien, respin 2, hop, allez, joker aléatoire, on m'en balance pas qu'un. Allez, 4 ou 5 jokers. 1, 2, 3, 4, allez, un petit 5ème peut-être, non, hop. ...450... un respin de restant. ...461 sur les 3 respins. Allez, go pour le compas, qu'est-ce qu'il va nous filer cette fois-ci? Allez, le petit 50 là. Un 10 respin serait pas mal non plus. Alors, 10, 750 balles. Ok, pas de commentaires. Allez, c'est parti, on a un petit joker ici, un petit par là, m'en balance pas qu'un. Alors, est-ce qu'il va me faire le coup du rat avec un seul joker? Non, apparemment non. Ouais, deux, j'aurais pu faire mieux. Alors, est-ce qu'il va faire mieux? Deux jokers déjà ici. Hop. Allez, un petit par là, un petit par là, un petit par là. Pas de big win. 487.
vas me faire l'honneur de me pondre les 3 scatters. Alors, un joker ici, un par là. Allez, place-les bien. Par là. D'accord, d'accord, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, joker, 0 win. Allez, petite montante, le retour. Alors, on teste une deuxième dans la foulée. Ah, alors la roue à 150 balles, s'il me pond le, le 50 là, ça va faire du 6000 balles, me pompe un truc de rat, ouais, le 20 c'est pas mal, c'est pas mal, 3000 balles avec le 20, et ouais 3025, bon ben là coup de bol sur la montante que le compas soit sorti. On remonte à 21 000. Bon, ça c'est un gros coup de chance que le bonus du compas il sort sur une mise maxi, c'était pas, pas gagné d'avance. Voilà, un petit triple scatter et on est bon. Alors un petit bonus avant de passer en dessous de la barre des 20 000. Et ben voilà, en parlant du loup. Allez, go. Non, pas le x2, pas le x2. Ok, 10, 750 balles. Allez, go, hop. Sur deux spins d'affilée, le bonus de la boussole. Le 50, le 50, le 50. Le x2, le petit rat, 150 balles. Win 25, win 25, win 25, ok. De 25 balles, à moins que ce soit par rapport aux mises aux bêtes level, enfin aucune idée. Enfin, de toute façon, le x2 c'est le moins payant. Alors, le numéro 3 qu'on a attendu pendant une plombe, il est toujours pas là.
Là, on va repasser en dessous de la barre des 20 000, j'imagine. Allez, go. Alors, pas le x2, pas le x5. Alors, 10. Là, pareil, deux coups d'affilée. Le 50, non. 5 au spin, ok. Bon bah 5 c'est pour mieux que 3. Allez, c'est parti, espérons que ça rack. Eh ben re la boussole, c'est parti. Un petit 50 par-ci par-là. Oh, 10 au spin en plus, ok. Bon bah après ça c'est du win à la clé, un arrêt de partie je pense que ça s'improvisera. Alors on veut du win, on veut du win, on spin, on respin restant. Alors la pieuvre joker elle est où? Un petit tour du compas sinon serait pas mal non plus. Parce que là niveau win pour le moment on n'est pas au top. Ouais, 6 respin, cacahuète niveau win. Bon bah moi qui pensais faire un arrêt de partie direct après ça en pensant que ça aurait raqué, bah apparemment ça aurait raqué pas grand chose. Ouais, the bonus cacahuète. Mmh, 237. Ok, ok. Sur 15 gros spin. Bon, bah, déçu de la part du bonus. Bon, bah, du coup, pas encore d'arrêt de partie. On va pas en rester là. Eh ben il nous a pondu le troisième, ok. Ok, ok, go feature triggered. Eh ben franchement, celle-là, il aura fallu aller la chercher. Ah ouais, il a une bonne gueule, lui. Alors, voyons voir. Allez, 15 free spin. Plus un de gratter. Alors, du big win, du big win. Si on peut éviter les cacahuètes, allez, go, bonus. Alors, le 50, le 50. Trois free games en plus, ok. Niveau win, on est toujours sur 350. Alors, un petit coup de la pieuvre avec les jokers aléatoires serait pas mal non plus. Bon, pas de big win pour le moment. Alors la pieuvre, on l'a pas encore eu une fois. .625 de win, on n'est même pas un x10 par rapport à la mise. Ça y est, on y est, mais bon.
pas extraordinaire. Bon, bah, la pieuvre, on l'aura pas vue. Ah, ouais, elle est là. Alors, me balance pas qu'un seul joker, s'il te plaît. Alors, 2, 3, 4, mal placé ici. Alors, ils sont pas très bien placés. Du coup, 252 win. Bon bah du coup 1002 sur les 28 free games, pas énorme, bon ça aurait pu être pire. Alors on termine à 21 839, allez on se barre, hop. C'était un petit peu tendu mais bon au final c'était quand même assez généreux.